Bonjour Kimberly, donc tout d'abord félicitations pour votre récente élection. Merci. Alors qu'est-ce que ça fait d'être Miss Nantes 2012? Alors, un changement, hein, quand même, par rapport à ma famille, à mes amis, à mon entourage. C'est quelque chose que tout le monde a suivi. Il y a eu une répercussion ensuite agréable. J'ai reçu des messages de soutien de la part de gens, des petites filles aussi qui suivent les élections de Miss. C'était très, très touchant, très agréable. Donc, une grande surprise, une grande joie, voilà. Et on se pose la question, comment ça se passe l'élection Miss Nantes quand on est au cœur de l'action comme vous l'avez été? Alors, c'était un très beau moment avec les candidates également. Il n'y avait pas du tout de rivalité, on s'entendait très bien, on s'entraidait aussi pour la préparation parce que c'était une première fois pour toutes. Donc, pas évident, beaucoup de stress. Et puis finalement, quand on est sur le podium, tout se passe bien, quoi. Et qu'est-ce qui vous a poussé à tenter ce concours? Alors, c'est ma famille. Depuis longtemps, ils m'en parlaient. Déjà, quand j'étais toute petite, ça les amusait beaucoup. Et puis là, j'ai 22 ans, donc c'était le dernier moment pour moi pour se présenter. Donc, j'ai tenté ma chance. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé pour vous depuis? Alors, ce ne sont pas vraiment des changements, ce sont plutôt des nouveaux objectifs à atteindre, puisque là, maintenant, il y a Miss Pays de la Loire qui se prépare. Ce n'était pas un changement dans le quotidien, mais plutôt dans un futur proche et qui se prépare. Et donc j'imagine qu'aujourd'hui votre famille est très fière de vous. Oui, c'est sûr, c'est un grand moment, on ne s'y attendait pas et oui, ma grand-mère est très fière, oui, c'est marrant. Et donc la prochaine étape, c'est Miss Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, ce sera en septembre 2013. Là, je commence déjà à me préparer, je me prends un peu à l'avance, vaut mieux, je pense. Et puis, ce que je peux en dire plus, c'est encore un petit peu inconnu, bah forcément, hein, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu encore. Donc, plein de bonnes surprises à l'horizon, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fait pour la suite? De réussir. J'espère que ça va marcher et pourquoi pas Miss France ensuite, ce serait génial.